Donc c'est parti. Donc bonjour tout le monde. Donc je me présente, Raymond, Ninon. Ninon, Maïté et une petite nouvelle, Elisabeth qui est déjà dans conscience modifiée là. Donc on se voit aujourd'hui pour une nouvelle enquête. Hein. Ben, juste un petit mot, là. Je vais dire bonjour à nos amis québécois. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de commentaires du Québec, de la Polynésie. Et de tous les autres Français de l'Hexagone. Hein. Et donc le sujet d'aujourd'hui, il y a une enquête, on avait parlé des réseaux de Schumann et des veines qui s'ouvraient par-ci par-là, notamment on en avait une au Pérou, une autre en Égypte. Et là, Ninon nous a dit qu'il y avait un grand événement qui avait lieu au Pérou à Quillabamba. Et il s'agirait aussi de veines énergétiques. C'est un événement organisé par, ils appellent ça les grands-mères, des chamans, quoi, en fait. Ils attendent plus de 300 chamans, hommes et femmes, pour ce grand événement. Puis on va voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est cette histoire de veine, quelles sont les énergies en présence, et etc. Donc, on va commencer. Je pense que vous êtes déjà en conscience modifiée. Donc, je vais vous parler de l'événement, et je pense que vous avez écouté la présentation. Donc, Ninon, la première chose qui te vient, la première chose en quelques mots. Sur cet événement, le premier truc qui te traverse l'esprit. Là, pour l'instant, moi, je vois une montagne avec beaucoup de verdure. Voilà, ce qui me vient, c'est ça. C'est pas grave, là, t'es déjà dans la montagne. Maïté? Eh bien, moi, si tu veux, ce que je perçois, c'est en fait. Je vois tout un réseau des sortes de lignes comme ça. Quand au cours de notre enquête sur le réseau Schumann, ce que j'avais aussi capté, et c'est pour ça que c'est encore ce qui m'apparaît, c'est qu'avec ce réseau Schumann, il y a eu des portails dimensionnels qui se sont ouverts, qui étaient pas vraiment ouvert et avec cette amplification de la Terre, en fait cette Terre qui bouge, eh bien il y a des portes qui se sont ouvertes et c'est comme ça que du coup j'ai vu à partir de Machu Picchu, partant d'un endroit bien spécifique de Machu Picchu, un réseau comme ça qui part et plusieurs réseaux et ils viennent se rejoindre d'autres lieux. Il se connecte à d'autres lieux et ça fait comme une sorte de rayon de soleil comme ça, avec des rayons comme ça qui partent. Voilà. Ok. Et toi, Elisabeth? Alors, moi, depuis le début, je vois comme un tronc d'arbre avec des veinules à l'intérieur qui tracent. Je vois pas ni le début ni la fin. J'ai eu le mot néo, nouveau. Ça me l'a associé à nouvelle ligne temporelle. Et c'est comme quelque chose qui, un peu comme si tu regardais. Un vaisseau où il y a de la vie à l'intérieur. C'est tout blanc, ce que je vois, mais comme quelque chose qui comme un jeune enfant, quelque chose de tout nouveau, qui prend, voilà, et qui est en train de tracer. Quelque chose qui est en train d'éclore. Ok, donc on va commencer. Donc cette histoire, elle a commencé. Il y a certains chamans qui ont eu des visions.
Et donc moi, de suite, vision, la question que je me pose, c'est d'où venaient ces visions? Ninon? Ce que j'ai comme réponse, sans réfléchir, c'est la vision, elle vient du cosmos. Moi, j'interprète ça, enfin, je vois ça comme, en tout cas, que c'est des informations qui sont au-delà de la Terre, quoi. Quand on dit cosmos, bon, le premier truc que je vois, c'est extraterrestre. Oui, c'est ça, ce à quoi ça me fait penser aussi. Ok, donc ce serait d'origine extraterrestre. Et toi, Maïté? Ben, disons que, en fait, quand les personnes canalisent, elles se focalisent tout le temps, toujours sur la planète Terre, en fait. Et à force de focaliser, de canalisation, et toujours centré sur le même point, c'est-à-dire sur la Terre, automatiquement, les visions qu'elles ont eues, elles sont parties de la planète Terre. Et ces visions-là, effectivement, c'est ce que j'ai vu, donc des sortes de rayons comme ça, et qui viennent du coup dans l'espace, on dit du côté cosmique, effectivement, qui viennent comme ça, si tu veux, se propager dans l'espace, dans le cosmos. Alors, effectivement, ça viendrait pas que d'une seule source. Pas une seule d'une source. En fait, il y en aurait. Je vois plusieurs directions, en fait. Je vois pas qu'une seule direction, en fait. Pour toi, Elisabeth? Alors, déjà, moi, ça me l'associe à la Terre, mais ça me dit que c'est comme un nouveau corps éthérique qui se crée, toujours en association avec cette nouvelle ligne temporelle-là. Et ces chamans-là, ils ont ces visions viennent aussi du fait d'être en parfaite connexion avec eux. Vous savez, cette histoire de poupée russe dont on est fait. Et que c'est des informations qu'ils obtiendraient également de aussi la particularité, elle va être aussi génétique, c'est-à-dire que on vient pas tous des mêmes lieux. Donc, qui dit particularité génétique dit aussi des capacités différentes. Voilà, ça viendrait de tout ça. Donc, il y aurait un point commun entre toutes les chamanes qui serait leur génétique. Oui, ça, de toute façon, on a en effet de génétique et d'ADN. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui permet d'être véritablement en conscience avec soi et de pouvoir capter aussi des choses qui vont être différentes de ce que peut capter quelqu'un d'autre. Et le message, il viendrait d'où alors? Moi, je vois comme un puzzle les personnes qui se rejoignent comme des puzzles qui se complètent et une personne qui canalise le tout. Et ensuite, ce que je vois, c'est c'est une information qui a été à la, à, qu'a, que la Terre a envoyée et qu'a plusieurs dimensions en fait, qui se complètent avec d'autres aspects qui englobent la Terre, le système solaire, là où on est dans la galaxie et tout. Et en fait, c'est un appel de plusieurs énergies qui ont un intérêt commun en fait. Ok. C'est un événement qui est lié à un rééquilibrage, une harmonie de quelque chose d'assez complexe dans ce que je comprends.
Donc justement, on va aller voir, on va affiner un peu Attends, alors moi, ce que je voulais donc dire, parce que, eh bien, en fait, c'est parce que bon, toutes ces personnes, ces êtres-là qui sont des chamans, leur rôle, leur mission, entre guillemets, si on peut appeler ça de mission, c'est toujours cette connexion avec, avec aussi d'autres dimensions, c'est-à-dire les planètes, les étoiles. Ça fait partie de leur univers. Et lorsqu'ils font des méditations profondes, tous sont amenés à un moment donné, à partir de la planète Terre dans laquelle nous vivons, à se connecter à tout cet espace cosmique, puisque c'est telle est leur fonction, eux, en tant que chamans, mais tous, d'où qu'ils viennent. Pratiquement, ça fait partie de leur vie. Alors, effectivement, cette connexion à cet événement, elle a été beaucoup plus, on va dire, ils ont été beaucoup plus amenés, eux, dans leur quotidien, à le ressentir, puisque ça fait partie de leur quotidien. Pratiquement tous les jours, il n'y a pas un moment où ils ne se posent pas, où ils ne font pas des méditations spécifiques pour pouvoir se connecter au tout. Alors, donc, ça, déjà, ça part d'eux par rapport à ce que eux, ils sont. Mais à partir de là, les connexions que eux ils émettent par rapport à cet univers cosmique, effectivement, là, c'est là où leur perception a été identique. Il se passe quelque chose, des phénomènes au jour d'aujourd'hui, d'ouverture, on va dire, de vibrations, de fréquences, qui sont en train d'émerger à partir de la planète Terre, mais qui vont, effectivement, et ce que nous venons de voir, c'est ça qu'ils ont ressenti, et qu'il y a une connexion automatiquement, comme ces rayons en tout cas j'ai capté, qui viennent de cet espace cosmique, et là, le ressenti, c'est vraiment de notre lien très très proche au tout, à l'univers en fait. C'est une passerelle aujourd'hui qui est en train de se mettre en place, une véritable passerelle. Et moi pour compléter, ça me dit que, alors déjà je vois comme des points lumineux, je vois comme un atlas, je vois comme des points lumineux un peu partout. Qui fonctionnent en résonance, où c'est dispatché, reçu, et en fait c'est aussi le fonctionnement de nos corps, nos différents corps. Donc on est en émission, en réception de toutes ces informations, ce qui se passe, qui fait partie véritablement du vivant, et on est véritablement en connexion avec ces nouveautés qui émergent. Donc, j'ai bien compris, on est tous déjà connectés, les chamans plus particulièrement. Aujourd'hui, ça bouge au niveau énergétique. Je peux rajouter, je vois un gros point lumineux dans cette zone-là. L'Uruguay, alors je sais pas où était le. Ouais, c'est dans le Quilabamba, c'est dans cette zone. Hein. Ah ok, et ben voilà, c'est ce que je suis en train de voir. Il y a véritablement un gros point lumineux au niveau de l'Atlas. Le point lumineux très important, il est situé à ce niveau. Ok, ben écoute, on va aller très tranquillement voir ce point lumineux. Hein. On va voir on va aller regarder les énergies en présence. Donc il y a eu un appel, je pense que la date elle est pour quelque chose, non? La date, oui, du mois sûrement. Hein. Donc on va aller voir ce point lumineux et vous allez me donner les énergies en présence. Si vous ressentez quelque chose, Ninon. Alors, il y a beaucoup d'ébullition pour l'instant. Je vois une énergie d'ancrage très très intense, une mise en place intense qui se fait sur le site du Pérou, mais aussi des énergies, puisque les grands-mères maintenant sont connectées, interconnectées, il y a des énergies qui viennent d'un peu partout, comme si le lieu était injecté de l'énergie de ces femmes-là.
Et ça fait un re... et en fait ça, je vois effectivement une espèce de gros rayon qui relie avec le ciel qui se... et donc il y a un rayon qui va souterrain qui va sous ce qu'on pourrait appeler un réseau Intra-terre. intra-terre, la Agartha, et puis ensuite en haut je vois que ça monte L'univers. assez loin dans l'univers, comme si il y avait une interconnexion entre la Terre et autre chose. Et il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui passe par là. Et après, il y a aussi un autre faisceau, c'est plus électromagnétique, du coup, là, c'est pour la Terre. Voilà, il y a des interconnexions au niveau du réseau de Schumann, mais aussi au niveau électromagnétique. Il y a beaucoup de choses qui se font à ce niveau-là. On a l'impression de voir un gros faisceau lumineux qui part du fin fond de la Terre jusqu'à et qui monte à l'univers. On est d'accord? Non, ça part du portail et ça va en bas et en haut. C'est plus comme Ah ça que je le d'accord, vois. ah d'accord. Ouais, ça se diffuse, quoi. Oh, Moi, ça part pas du fond alors. oui, Maïté? je rejoins un peu. Et en fait, si tu veux, la concentration de toutes ces personnes chamanes, leur concentration et donc du coup l'intention de l'énergie qu'elles émettent, parce qu'il faut quand même bien comprendre que ces personnes-là, c'est des personnes particulières. Hein, je veux dire, c'est vraiment, elles sont déjà dans un process de vibratoire assez élevé. Et donc cette concentration-là, donc de cette personne donc, qui sont dans la même mouvance, hein, on va dire énergétique, et elles sont pas dans n'importe quel lieu, elles sont dans un lieu déjà qui, lui, est même vibratoirement très très haut. Hein. Il faut pas l'oublier qu'elles sont une sorte de vortex très très puissant de lumière. Donc, ce qui veut dire que cette concentration, elle, déjà par leur vibration, par la pensée, hein, de ce que émerge d'elles, de des personnes qui sont bien centrées, hein, puisque c'est quand même des personnes spécifiques à elles. Plus la résonance avec le lieu vibratoire dans lequel elle se retrouve, donc qui est une très très forte énergie. Ce n'est pas la date est bien voulue parce que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une conjoncture particulière avec les astres, mais pas n'importe quels astres. Il faut pas croire que c'est juste la Lune, le Soleil, la planète Terre. Non, c'est d'autres astres, Ah, d'autres c'est ça que je étoiles. sentais. Elles sont, oui, parce qu'elles sont connectées, comme je l'expliquais depuis le début, avec tout ce qui est étoiles, des galaxies, autres. Hein, c'est pas juste la planète Terre, plus. Non, elles sont en connexion avec vraiment un univers astral assez dense, hein, de cosmique. Et donc, si tu veux, ce qui se passe là, c'est donc la conjonction de la vibration que portent ces personnes, plus le portail dimensionnel de très très particulier, plus les astres qui sont placés à certaines ils sont placés à un moment spécifique. Là, il y a un dégagement d'énergie tel que nous-mêmes, attention, nous ne pourrons en avoir les ressentis, mais pas tous. En auront les ressentis que les êtres justement qui sont dans cette ouverture de, je dirais pseudo, enfin pas spirituelle parce qu'il y a aussi cet ego spirituel, mais ceux qui sont dans cette ouverture-là de cœur, qui sont vraiment connectés, on va dire, à cette conscience cosmique que nous avons bien sûr en nous, cette part cosmique aussi, enfin du double éthérique en nous, ceux qui sont vraiment dans cette mouvance-là, oui, ils en ressentiront les effets. Ok. Elisabeth. Moi, je rejoins Maïté à partir des planètes là, et aussi ça me parle aussi des constellations, et ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand ils sont en phase avec eux, ils sont en phase avec aussi leur origine. Leur origine, voilà, constellaire. Et ça me dit que cette période va correspond aussi au solstice
d'été. Je vois comme un gros soleil. En même temps, bon, on sait que quand on parle de solstice en général, on les adosse à des choses pas trop géniales. Mais ici, il semblerait qu'il y a un lien avec ce solstice d'été. Oui. Et je vois comme un gros portail qui tourne en rond comme ça et qui, curieusement, ce portail au milieu, il prend aussi l'aspect lumineux d'un soleil. Ok, intéressant. Donc là, on a des forces, en fait. Très forte, c'est très très puissant. Et donc les, en fait, la réunion de ces chamans, elle est là pour recevoir ou pour apporter? Je peux. C'est Ah oui, pour vas-y, raconte si tu ressens quelque pour chose. communiquer ce qui est en train de se manifester. C'est des nouvelles énergies qui se manifestent. Et donc, c'est quelque chose qui communique à tous les êtres. Et quand je dis à tous les êtres, c'est pas uniquement les humains, mais à tout ce qui est vivant. Et donc, les êtres humains qui sont en résonance avec leur partie vivante, ils sont en capacité de recevoir aussi ces informations énergétiques. Ouais, de l'information, tu as dit un Oui, mot c'est ce qui est que je intéressant. Donc, en fait, ce portail, il est porteur d'informations, si je comprends bien. Mais disons que oui, il est porteur d'informations, mais parce que ces personnes-là, en fait, ça fait très longtemps qu'elles se connectent à ça. C'est pas d'aujourd'hui, mais l'appel est spécifique. Il y a une date spécifique parce qu'il y a une conjoncture favorable au niveau cosmique qui va le permettre. Mais en fait, si tu veux, c'est pas elle. Ce n'est pas elle. Puisque la question c'était ça, est-ce que ça vient d'elle, de ces Non, la personnes? question Non, c'était de savoir si ça vient pas d'elle. y a un groupe qui va aller là-bas. Est-ce qu'il y va là-bas pour recevoir ou pour donner? Non, c'est Moi, je pas, pensais c'est. au début qu'ils étaient là Non. pour aider à ces énergies à se Non. manifester. Mais apparemment, d'après ce que Lorsque, vous me dites, non, pas besoin, quoi. d'après ce que je capte, il y a eu un appel, ils y vont parce que eux. Dans leur quotidien, ce sont des canalisations qu'ils font régulièrement avec la Terre, planète Terre, de ce qui se passe au niveau cosmique et tout ça. Ça fait partie un peu de rituels de vie. Donc, c'est pour ça que l'appel, ils l'ont reçu. Hein. Donc, ils l'ont reçu, cet appel-là. Et à un moment spécifique aussi, parce qu'au niveau, au niveau astral, il se passe il y a une conjoncture favorable. Donc, mais c'est un appel. En fait, eux, ils sont pas là pour donner, c'est pas par leur action qu'il va se passer quelque chose. Non, c'est parce que ils vont aller dans cet endroit où il y a ce vortex très puissant dimensionnel, qui lui est le générateur de tout cela. Mais lui tout seul, comment dire, ce vortex-là de dimensionnel, lui tout seul, si tu veux, sans qu'il y ait eu des consciences qui puissent, va dire, le canaliser, le capter, bah, il se serait peut-être passé des choses, mais on n'aurait peut-être pas eu vraiment, d'abord, on n'aurait peut-être pas vraiment su, enfin, je ne sais pas. Mais là, si tu veux, c'est parce qu'on va recevoir, et comme je répète, on recevra, et comme dit Elisabeth, tous les êtres, donc les êtres vivants, mais en tant que nous humains, tous ne vont pas le ressentir cela. Et les grands-mères, je les vois hein, comme des ponts en fait par rapport à Oui, nous, voilà. aux autres personnes qui vont venir, et ensuite ça va faire un effet domino. C'est Voilà. comme ça que je le vois. Oui, un effet Et domino. vas-y, Elisabeth. Oui, et puis je suis en train de voir, c'est vraiment, je suis vraiment dans la forêt là, ça me montre des choses. Avec, vous savez, dans les forêts, des fois, il y a des zones qui sont à un niveau de fréquence très élevé avec des grosses pierres. Eh bien, ça me montre que ces pierres reçoivent également l'information et sont connectées à toutes ces énergies nouvelles. Ça me parle vraiment d'énergie nouvelle. Donc, si je comprends bien, c'est il y a un grand faisceau d'informations lumineux qui va arriver sur Terre avec des effets dominos qui vont se propager sur l'ensemble de la Terre. Oui.
Moi, je confirme. Ah, ça joue sur la conscience, sur l'inconscient et la conscience humaine. Et en fait, les personnes, elles vont servir de pont, finalement. Oui. Et ça va se diffuser. Mais il y aura quand même une énergie du chakra racine qui restera sur le lieu. C'est vraiment pour ancrer la terre dans quelque chose de nouveau. Oui, donc le but, c'est bien, c'était ma question suivante. Hein. Donc le ah, je viens le d'avoir, but. Les... Je viens d'avoir une autre. Info. Ça, oui, parce que c'est vrai que moi je suis très branchée santé. Et ça me dit que ça va apporter aussi une ouverture à toutes ces personnes qui sont coupées de par ce qu'elles ont reçu en 2020-2021. Je dis pas le mot volontairement. Non, sinon on va le couper. Voilà. Et parce qu'on sait que, et on le voit en tant que thérapeute, on sait qu'à partir de 2, c'est la limite. Dès qu'elles franchissent le 2, elles passent au 3. Eh bien, là, il y a une véritable coupure qui se fait dans les connexions entre son moi et son soi. Et là, c'est quelque chose qui va apporter des nouvelles potentialités au niveau de l'être, de l'âme. L'âme, pour moi, c'est le moi. Enfin, non, c'est pas tout à fait le moi. Voilà. Et ça va pouvoir permettre aussi à ces personnes-là qui ont été coupées de pouvoir se reconnecter. Retrouver une autre... oui, tout à fait. Parce que, en fait, je rejoindrai un peu, parce qu'effectivement, là, je suis dans cette énergie-là qui est très, très lumineuse. C'est très, très puissant. Et quand je disais donc tout à l'heure que tous, il y a beaucoup qui le ressentiront, d'autres qui ne le ressentiront pas. Mais par contre, les personnes qui le ressentiront, effectivement, c'est que déjà, il va y avoir des prises de conscience différentes, parce que c'est vraiment au niveau du chakra, moi je le vois du coup, une sorte d'entrée coronal. Au niveau du chakra coronal. Hein. Donc déjà, des personnes qui sont sur un chemin de conscience que bon, ben, qu'il y a des changements à apporter dans leur vie, que tout ne veut, eh bien, qui sont déjà dans ce chemin-là d'introspection intérieure. Effectivement, là, il va y avoir une ouverture. Pour certaines, même, parce que là, je suis avec une personne qui va recevoir l'énergie, parce que cette énergie-là, de toute façon, est très, très puissante, et c'est une énergie, si tu veux, qui nous recentre. Vraiment, qui passe par le chakra coronal et ça fait comme une sorte de faisceau qui te traverse du coronal jusqu'en bas. Donc c'est vraiment un recentrage. Alors les personnes qui vont le ressentir, elles vont effectivement peut-être pas se rendre compte à l'évidence que ce sont ces énergies-là cosmiques qui sont en jeu, qui sont là, mais elles vont être beaucoup plus dans l'entreprise, dans des changements effectivement. Donc je rejoins du coup ce que Elisabeth disait, c'est vrai, vont dans des ressentis, peut-être sans trop avoir d'explications, mais il va y avoir des mouvements. Et sur le plan planétaire, si tu veux, il va y avoir des mouvements, mais des mouvements qui vont aller plus, pas encore, c'est pas encore, mais vers une sorte de pacification intérieure qui finalement va aussi peu à peu s'étendre sur le collectif, mais pas encore. Mais ça va émerger petit à petit parce que, tu vois, au niveau de la matrice artificielle, si tu veux, eh bien, ces énergies, elles s'ouvrent, ce que j'avais déjà eu vu. Si tu veux, il y a une sorte d'ouverture lumineuse qui est en train de se faire. Hein, et ce portail dimensionnel en est aussi une des causes. Donc, si je comprends bien, faisceau, on va l'appeler comme ça, faisceau énergétique très puissant. Un air de vie. Hein? Ouais, un air de vie. C'est ce qui me vient. J'ai l'impression qu'il vient du fin fond. Mais j'aurais même tendance à dire que cette information non altérée, elle viendrait pratiquement d'une autre dimension, quoi. Oui. Avec une conjonction planétaire qui fait que. Oui. Oui. Et j'ai eu Saturne. J'y connais rien en planète. Hein. Ouais, moi, alors, ça me demande pas à moi. Et moi, la vision que vous avez, donc c'est des connexions planétaires, une conjonction, une configuration qui fait que, hein, qui est favorable à ce portail d'information. Moi, je dirais qu'il viendrait d'une de haute dimension.
Oui. qui là pour augmenter pour amener des énergies nouvelles sur la, enfin peut-être pas nouvelles, Non. mais pour recentrer un peu l'humanité, non? Là, j'ai une vision d'une tortue qui vient avec une carapace et il y a de la lumière dans la carapace. J'ai l'impression que c'est une énergie ancienne qui cherche à rééquilibrer l'énergie actuelle et à créer quelque chose de nouveau ensemble. C'est plus ça que je vois. Une énergie lente et calme qu'amène la tortue. Et donc la tortue, c'est pour les Amérindiens, c'est l'Amérique, c'est leur terre à eux. Donc c'est vraiment l'énergie racine, chakra de la terre. Et elle vient pour se métamorphoser un peu. Moi, je vois ça pour rééquilibrer l'énergie. Oui. Et si Et je vous... moi, ce que j'ai comme information là qui me vient aussi, c'est que ce n'est pas nouveau. Hein. Ce phénomène-là a déjà eu lieu. Hein. C'est pas un phénomène là qui arrive là maintenant. Ça a déjà eu lieu. Et là, ce qui m'est venu, donc je suis remontée, je demandais, bon, je voyais, j'ai eu cette information. Et donc, du coup, en remontant dans l'espace-temps, en sachant qu'il n'y a pas de temps, finalement, eh bien, j'ai eu les Lémuriens. J'ai eu comme information les Lémuries. Donc, du coup, les C'est pas un hasard. Atlantes et tout ça, c'est l'information qui m'est venue. Donc, en ayant cette information, c'est comme si c'était hier que ça s'était passé. Hier que ça s'était passé. Et donc, on va se retrouver dans ces énergies-là très, très fortes, très, très puissantes de ce temps-là, là, en fait. Et moi, Vas-y, Elisabeth, après je relis. ça me parle. Et ça va rejoindre aussi un peu ce que dit Maïté. Ça me parle des différents corps énergétiques de la Terre qui retrouvent leurs connexions diverses de par la diversité également d'origine de la Terre et à partir de ces nouvelles connexions qu'elle arrive à faire, elle arrive aussi à capter ces nouvelles énergies. Bienveillante, qui arrive aussi à l'alimenter de manière à ce qu'elle porte, c'est elle-même qui porte tout ça en son sein. Et j'avais une autre information aussi, mais Vas-y. ça va me revenir, je l'ai Non, zappé. mais de toute façon, la On va question que appeler. je voulais poser, c'était d'après tout ce que vous me dites, j'ai l'impression qu'il y aura un avant et un après, quoi. Ah Donc oui, l'après, c'est quoi? l'information que je viens d'avoir. Allez, vas-y. Que j'ai eu tout à l'heure. C'est aussi que on n'oublie pas qu'on est atemporel. La Terre aussi. Donc, quand on parle de se reconnecter à des choses qui ont existé, et aussi, c'est des choses qui existent, mais en simultané. Elle fait juste que se reconnecter à ça. Ce qui donne cette sensation Ce qui que c'était, ça s'est déjà. déjà passé quoi. En fait, c'était une connexion qu'on a perdue et c'est une reconnexion, d'après ce que Oui, tu me dis, de la Elisabeth. Terre. Oui, parce que voyant Ninon, peut-être qu'il y a quelque chose à rajouter. Je crois que Ninon a quelque chose à dire. Ah ouais, elle est là-bas, elle est en Lémurie, là. Oui. Non. Je J'ai vois. entendu Lémurie, j'ai vu qu'elle a piqué. Oui, voilà, moi aussi. C'est pour ça que Moi je aussi, mais j'ai voudrais. pas voulu entendre le sujet. Oui, moi je voudrais Vas-y, qu'elle Ninon. dise. C'était quoi la question? J'ai Non, pas moi, je, compris. sinon, c'est la question que j'avais posée là, Oui, que parce j'avais que. posée, Ouais. donc selon Elisabeth et Maïté, mais on n'est pas sur quelque chose de nouveau, en fait, on est sur quelque chose qui a déjà existé, qu'on a perdu et qu'on retrouve, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que vous dites. Hein. Et la question que j'avais posée moi, avant ça, c'était, j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après. Donc, si vous prenez la ligne de temps, c'est quoi l'après? L'après, en fait, c'est que c'est la création d'un nouveau chakra. Et donc après, il y a une espèce de diffusion qui se fait au niveau de la Terre. Et je vois aussi une diffusion surtout au niveau du second chakra qui va s'éveiller davantage et qui va pouvoir faire travailler les dimensions autour de ce qu'il amène. Le Oui, chakra sacré. oui, ouais, tout à fait. Et donc, du coup. Maïté, t'as Et quelque chose donc à du coup, rajouter? oui. Et du coup, donc, je rejoins
ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, en fait, par rapport à nous les humains et par rapport bien sûr à tout ce qui est vivant sur la planète Terre, les effets qui vont s'en suivre, si tu veux, c'est que on est dans des prises de conscience en fait. Hein, donc selon chacun, selon son chemin, tout en parce que cette vibration là, étant une vibration, si tu veux, très puissante, elle va au fait, automatiquement rentrer en résonance avec l'information encodée en nous aussi sur le plan cellulaire de notre ADN, c'est-à-dire cette information qu'on peut qualifier de pure lumière, de ce que l'on veut, mais que nous portons tous en nous. Donc, si tu veux, ça va la titiller, hein, ça va rentrer en résonance comme deux fils donc, qui se connectent et puis pam, il se passe quelque chose. Hein. Donc, c'est exactement ce qui va se passer. Chacun selon son chemin, mais il va y avoir des mouvements au niveau de l'humanité hein, qui vont se mettre en place, mais bien sûr dans une échelle au niveau de notre temps terrestre qui peut être longue, mais il va y avoir un mouvement planétaire il y aura un après qui va avoir effectivement des retombées peu à peu à la longue hein, bien sûr, mais il va y avoir des retombées. Ça, c'est évident. Et toi, Isabelle, Elisabeth? Alors, pour donner un exemple de ce que ça va réveiller en nous, c'est un peu comme si ça va permettre de lever des chapes de plomb sur des pierres que nous portons. On porte tous des pierres. Alors, le nombre diffère de chaque personne. On porte tous des pierres, souvent on les retrouve là, sur cette partie du thorax, de l'abdomen. Et en fait, c'est un peu comme s'ils avaient été mis sous une chape de plomb. Et en fait, c'est un peu comme si ça va venir lever ces voiles-là et que ces pierres vont pouvoir jouer leur véritable rôle de... je vais utiliser un mot où nous sommes connectés entre nous, ce qui va apporter un rayonnement différent en nous, ne serait-ce que par rapport au niveau de notre corps mental, émotionnel, puisqu'on sait que le corps mental il emprisonne en fait notre conscience dans cette En fait, c'est la matrice, elle est en prix. Bref, ah ouais, je vais pas le dire. Moi, je te comprends. Hein. Voilà. Et du coup, toujours sur un plan santé, ça va permettre à des personnes d'émettre des volontés, de faire synchroniser leur volonté ou de capter les intentions de la conscience qui elle, est toujours créative. Dans le futur, ça va leur permettre de capter plus facilement ces intentions-là pour pouvoir les valider dans leur réalité. Donc, voilà. Si j'ai bien compris, donc ça va réveiller des mémoires qui sont au plus profond de nous. On va avoir plus tendance à écouter notre conscience que notre ego. C'est une tendance. Mais j'ai une autre question parce que au tout début de, mais je pense que ça va être les dernières parce que le temps il passe. Oui. Au tout début vous m'avez dit pas tout le monde. Donc moi j'ai l'intention, est-ce que je dois faire le lien entre les adamiques et les pré-adamiques? Oui, l'information que je peux te donner, c'est que en fait, quand j'ai dit pas tout le monde, c'est que beaucoup d'êtres, il y en a, enfin pas beaucoup, mais il y en a, ne sont pas sur ces plans de conscience. Ils sont vraiment encore enfermés dans leur dualité, dans les conflits. Hein, ils sont très très reliés à la matière, à la troisième dimension. Hein. Donc, dans leur vie du quotidien, hein, que ce soit sur le plan professionnel, amical. Enfin, tous les plans de vie sentimentale, ils sont toujours, ils tournent en boucle, en rond, et ils sont
toujours en eux, dans une sorte de dualité, de conflit incessant. Alors pour eux, effectivement, pouvoir capter cette énergie-là très très puissante, ça va être très compliqué pour eux, parce qu'ils en ont des couches et des couches et des couches encore de libération, hein, et donc ça va être très 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 compliqué. Alors s'ils se sentent, enfin s'ils ont une petite avancée sans dualité, sans conflit, oui, ça va pouvoir être. Mais par contre, les changements évidents, c'est vraiment chez les êtres qui sont déjà sur ce dans une conscience autre, de vivre leur vie sans la subir, ceux qui sont dans cette démarche-là. C'est ça, moi je les vois. Et oui. Vas-y, Nidan. Vas-y. Non, c'est qu'il y a eu une mini coupure. Du coup, j'entendais plus parler. moi je sais plus ce que je voulais dire. T'as commencé, oui, moi je vois, t'as dit. Oui, qui veulent plus. La question, c'est sur les adamiques et pré-adamiques. Voilà, que les pré-adamiques et les adamiques. Donc, il y en a qui vont plus subir. Ma question était de savoir si je pense, enfin, pour moi, j'en suis. Pour moi, les pré-adamiques, ils vont avoir de beaucoup de difficultés. C'est des gens qui sont plus dans la matière, comme le dit Maïté. Moi, je les vois tous, je vois tout le monde avancer, mais chacun à son niveau, en fait. Voilà, c'est comme une classe avec les bons élèves qui tirent les autres. C'est ça, oui, ça qui va arriver. Globalement, ça va aider à changer l'énergie. Mais tout le monde n'aura pas le même ressenti. Tout le monde n'a pas la même vitesse. Et non, parce que c'est une question de résonance et de fréquence. Il y a Isabelle qui n'a pas parlé, Maïté. Alors, ils ne sont pas du tout là-dedans. Arrêtez. Oui, arrêtez, en fait, ce que je perçois rejoint ce qui est dit. Mais j'ai plus une notion de d'irréversibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'irréversible, que ce soit adamique ou pas adamique. Voilà. Tout est réversible. Il y a toujours moyen de revenir à ses origines. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Vous confirmez, Maïté et Ninon? Tout à fait, mais chacun, comme je le répète depuis le début, chacun avec le chemin dans là où il est. Oui. Sur ce, mes chers amis, on va vous laisser. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. On aurait glissé facilement sur la lumière, un sujet qui m'intéresse, mais... La prochaine fois, peut-être. Ouais, la prochaine fois. En plus, c'est lié. Hein. Enfin, moi, je le vois lié, mais bon, Ninon aussi, je pense. Oui. Oui. Et moi aussi. Mais le problème, c'est que là, on est parti pour 2 heures, quoi, après. Hein. Oui, voilà. Ouais. On ne va pas vous endormir. Ouais. Donc, sur ce, gentes dames et damoiseaux, je vous souhaite une belle après-midi. Je vais compter jusqu'à 3, et à mon 3, on revient. Comment vous sentez? Vous sentez bien, Isabelle? Oui, Isabelle, très bien. Donc, je compte jusqu'à 3 et à mon 3, on revient. 1, 2 et 3. Allez, merci, au revoir tout le monde.